Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo qui était pas du tout prévue celle-là non plus sur Fall Guys comme vous le voyez. Donc petit jeu qui est sorti, développé par Devolver, qui est sorti le 4 août, mais je vous ai fait Skater XL, en fait j'avais complètement zappé ce truc là, j'avais pas trop suivi ce que c'était. Et en fait je vous ai fait Skater XL qui n'était pas du tout prévu à la base. J'aurais mieux fait de m'abstenir d'ailleurs avec Skater XL vu la gueule du truc. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais essayer ce truc là, et c'est pas plus mal en fait que j'ai attendu un petit peu parce qu'apparemment hier les serveurs ont complètement pété. Alors il est offert au monde PS Plus et je l'ai vu sur Steam à 19€, donc je sais pas trop, c'est marqué saison 1 en plus, je sais pas trop comment ça marche. Est-ce que le modèle économique est différent? Alors après vous avez donc des tenues, des choses comme ça pour votre perso. Moi j'ai fait pour l'instant le truc un peu basique, mais je lui ai mis quand même un petit costume, des conneries. Je me suis dit quitte à partir dans le délire, autant y aller jusqu'au bout. Et j'ai fait qu'une seule partie. Donc c'est un party game en ligne. C'est ce qu'ils appellent une émission. En fait c'est une espèce d'émission de télé dans laquelle vous devez devenir la star. Et donc ça se joue en ligne. Il y a 60 participants et à la fin de chaque épreuve en fait il y a des éliminés. Et donc, bah, on va se faire une petite partie. Et puis. Et puis voilà, bon, la recherche de joueurs, en tout cas sur la partie d'avant, a été super vite, a super bien marché. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Le jeu, apparemment, marche plutôt bien, en plus, vu qu'il est gratuit. Alors, j'ai encore la caméra qui n'est pas très très bien placée. Hein, mais comme je suis encore. Voilà, faut que je tourne cette vidéo le lendemain de celle de Skater XL, en fait. Je sais pas si je vous la mettrai aussi rapidement, mais. En tout cas, évite les portes qui s'ouvrent et se ferment. Donc il faut qu'on arrive au bout. Voilà, donc là il va falloir qu'on arrive au bout, on est 60. J'espère que je vais faire comme ma partie tout à l'heure et que je vais réussir à passer quand même. Ah merde! Après, on peut attraper les mecs, vous voyez. C'est un bordel, hein. Bon, tout à l'heure, j'en ai balancé un dans le vide. Ah, genre, j'ai pas eu le temps de sauter par-dessus. Mais c'est un vrai bordel. Oh, merde! Ah, faut sauter avant. Oh là 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 là. Éliminé dès la première épreuve. Tout à l'heure, je vous l'avais dit en plus, tout à l'heure, j'ai fait une bonne partie. Je suis pas arrivé dans les. Je suis arrivé dans les 15 derniers. Et là, je me suis fait sauter dès le premier mini-jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. On va pas rester en tant que spectateur. On va sortir. Et on va recommencer. Essayer de pas faire le cotorep cette fois. Donc c'est un truc un petit peu délire. Après tout à l'heure, ce qui m'a un petit peu. J'ai fait qu'une partie, donc pour l'instant je peux pas trop juger. Mais ce qui m'a un petit peu pas gêné, mais c'est que les mini-jeux que moi j'ai eu en tout cas se ressemblaient. C'était un petit peu le même principe à chaque fois. Quand on les obstacles, précipite-toi vers la ligne d'arrivée, vous voyez, c'est. C'est très souvent ça, ou alors il faut piquer une queue. Il y a des personnages qui ont des queues, alors c'est soit en solo, soit en équipe. Et il faut piquer les queues et les garder le plus longtemps possible, ou essayer de les garder jusqu'à la fin du temps. Et pour l'instant, j'ai eu que des trucs comme ça, et du coup, c'est. Ça va peut-être manquer un petit peu de. Peut-être manquer un petit peu de. Tout,
Après, comme un salaud, on peut pousser. Ouais, j'ai réussi à m'en sortir là. C'était pas mal quand même, hein, parce que. C'était pas gagné, hein, à la base. Que je m'en sorte. Oh merde! Il fallait sauter. C'est bon. Vous avez vu déjà le nombre d'éliminés? Bon, après, ça reste sympathique, mais je pense que c'est pas un truc sur lequel je vais passer des heures et des heures non plus. Je pense que je vais faire une petite partie de temps en temps. Et vous voyez déjà le nombre d'éliminés qu'il y a eu? Ouais, j'aimerais bien faire le foot là. Encore, c'est précipité vers la lune d'arrivée en contournant les obstacles. Ça va peut-être manquer un petit peu de variété, c'est peut-être ce qui va faire que le jeu va peut-être bien marcher, parce que là il est offert avec le PS Plus, un peu comme comment il s'appelle déjà, le jeu de foot avec les voitures, je sais plus, j'ai un trou. Oh les salauds. Allez. Là, faut essayer de pas se faire pousser vers le bas. Voilà, c'était pas très très dur. Bon, du coup, je vous avais dit qu'il y avait une autre vidéo prévue en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. C'est toujours le cas. C'était pas cette vidéo là. Ça, c'était pas du tout prévu. Et au final, un mois d'août qui devait être vide, bah, mon planning s'est rempli et la chaîne va tourner. Avec sa vitesse de croisière, tout à fait normale. Ouh là là, ça me gratte. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup moins mal à ces coups de soleil. Mais par contre, ça commence à me gratter. Mais c'est des endroits où si je gratte, par contre, ça fait mal. Donc, entre les anneaux rotatifs, pour éviter de tomber dans le mucus. Oh là là. Vous voyez, c'est des épreuves comme ça qui s'enchaînent avec des éliminés. On n'est plus beaucoup, hein. Oh merde. On va rester en tant que spectateur, on va regarder un petit peu. Oh bah, manche terminée, ça a été rapide, hein. Qualifié, mais on était autant que ça. Bizarre. En plus, je voulais le faire ce jeu-là depuis le début, j'aurais bien aimé le faire. On va suivre un gars pour regarder. On est d'accord que là, normalement, il doit rester 18 personnes.
Ça ressemble à ce fameux jeu d'ailleurs là, dont je vous parlais tout à l'heure et dont j'ai toujours pas retrouvé le nom. Hein. C'est affolant de perdre la boule comme ça. Donc là, je vous le dis, si ça se termine comme ça, en fait tous les bleus, ils se font éliminer. Le bordel. Voilà, je peux suivre les joueurs que je veux. En mode spectateur. Mais après, on n'est pas obligé. Mais là, je voulais voir ce mini-jeu depuis le début, donc... L'application va expirer dans 15 minutes. Ah ouais, donc ça se trouve, en fait, il n'est pas offert pour les membres PS Plus. Mais... Vous avez genre une petite démo, parce que je pense que vous le verrez pas sur la capture, mais j'ai eu un petit truc qui me disait l'application va expirer dans 15 minutes. Donc ça se trouve, en fait, il est juste à l'essai pour les membres PS Plus. Et il n'est pas gratuit. Ça me paraissait bizarre, parce que sur Steam, il est à 20€. Et je me disais, le truc qui sort, il serait offert direct. C'est bizarre, quand même. J'ai bien fait de pas jouer plus avant de tourner ma vidéo alors. Parce que c'est pas quelque chose que j'achèterai de toute façon. Je sais pas comment ils ont choisi là. On va s'arrêter là, après de toute façon on va pas aller plus loin. Hein. C'est la manche finale. Bon, on va peut-être la regarder puis on s'arrêtera là. Ça me gratte. Bon, c'est la manche finale. Il y a petit pingouin là. Petit pingouin qui court vite. Petit pingouin qui vient de se manger. Oh là là, petit pingouin il se prend tout dans la tronche, mais il arrive à avancer quand même. Ah. Petit pingouin, il s'est pris les balles. Regarde, il va se faire pousser vers l'avant par le truc. Il y en a un qui s'échappe là-haut. Il y a un ananas qui s'échappe. Est-ce qu'on peut le suivre? Ah, ça y est. Ok, donc moi j'ai pris un niveau, mais de toute façon si après le jeu il expire et qu'on peut plus jouer sans l'acheter, bon, ça sert pas à grand chose. Après c'est dommage, il n'y a pas genre un petit multi local pour jouer à 2 ou 3 ou 4 à la maison, ce serait marrant aussi. Pour ce genre de jeu c'est un petit peu dommage. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus, c'était une petite vidéo surprise, j'avais pas du tout prévu de faire ça à la base. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.